Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, tranquille, tranquille, ça va. On va parler des vendeurs de rêves, de la chimie sur YouTube. Il y a plein de choses à raconter, les détails, les vendeurs de rêves. Je vous conseille d'aller au marché, aller vendre votre rêve ou au marché aux puces. Les vendeurs, ils se trouvent là-bas. Ils ne se trouvent pas sur YouTube. Vous êtes d'accord avec moi, cher ami? Ah, c'est tout de la chiménique là. C'est tout d'un bordel sur YouTube. C'est des vendeurs de rêves, des fruités de la vie. C'est désolant tout ça. C'est que de la manigance pour attirer un public, des fans, pour monter les abonnés, pour monter en vue, pour monter tralala, tralabic, ça. YouTube, c'est devenu carrément un marché de voitures. Carrément. On achetait une voiture, ça, sauf que certains youtubeurs ils montent comme ils respirent avec la chimie, pas possible, avec oh, c'est un truc de malade. Je vais prendre comme Efkan Kurnaz avec son histoire qui s'est fait agresser, soi-disant hein, qui s'est fait agresser. Ça c'est un menteur qui respire. Putain, c'est un truc de fou, hein. C'est logiquement tu te fais agresser, t'as un œil au coca ou t'as un bras cassé. Apparemment c'est par des individus qui l'ont tabassé. Non, moi aussi je peux avoir une boule là, vers le bras là, vers l'épaule. Ouais, qui dit pas que c'est une maladie ou c'est un champignon qu'il a. Donc après, il va dire, je me suis fait tabasser avec 3, 4, 5 gars. C'est pas vrai, t'aurais déjà la tête en carré, t'aurais déjà la mâchoire gonflée, le nez pété, les yeux au coca. Tu serais un quimplâtre. Ça, c'est son baratin. À 2 balles, son barata à 2 balles, c'est pour attirer les fans, pour monter ses abonnés. Vu qu'il est en train de perdre des abonnés et des vues, il a je crois bien sur une vidéo il a 50 000 vues. D'habitude il a plus que ça, parce que je sais pas, il faut lui poser la question à ce monsieur Kurnaz, mais je le respecte énormément. Il est super sympa sur les vidéos. Bon, les montages, c'est la classe, mais le truc, c'est qu'il ment parce qu'il est en train de perdre des abonnés. Pas possible. Il a l'intention de rattraper avec son incident avec les individus. Comme quoi, il s'est fait tabasser la gueule. Waouh, les fans, ah ouais, monsieur Kurnaz, ah là là, qu'est-ce qui est arrivé? Oh là 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 là, mon petit cœur, là, qu'est-ce qui se passe? Il a voulu faire cette vidéo pour rattraper ses vues perdues, monter ses abonnés. Et puis les cons là, ils croivent. C'est pas possible. C'est de la manigance et du foutage de gueule. Et rentre tout dans le même sac. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Bon, ben, montre-moi ton certificat médical. Ouais, pourquoi il n'a pas été porté plainte? Une chose, pourquoi il n'a pas été porté plainte? S'il connaissait les individus dans sa salle de sport, pourquoi il n'a pas été porté plainte? Donc,
C'est tout de la chimique. Ah non, 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 non. Après, vous tombez tous dans le panneau. Voilà. Lui, il fait quoi? C'est Monsieur Kurnaz. Il vient, il rigole. Et elle me dit, ah putain, quel chef qu'ils sont. Ah ouais. Ils rigolent comme des malades. Ah. Réveillez-vous, les amis. Moi, j'en ai rien à foutre des abonnés, moi. De ces abonnés, de ces vues, je m'en fous. Pourquoi il ment? Vous lui posez la question, pourquoi il ment? Pourquoi il n'a pas été porté plainte? Enfin, justificatif. Au moins, moi, j'ai deux jours, je me fais tabasser la gueule par des individus. Moi, je te montre la plainte, le procès-verbal. Lui, ouais, loup. Non, 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 il a l'attention. Ce monsieur Kurnaz, je pense, il est dans les nuages en ce moment. Il a peur de perdre ses abonnés, ses vues et surtout le flouss, hein. Le pognon, le pognon. Comme il a demandé à. Apparemment, hein, ce que j'appréhende, il a demandé du flouss pour acheter une MG. Oh, c'est grave, hein. Si t'as une paire de couilles, tu te l'achètes toi-même. Si tu, ce que tu touches sur YouTube, tu te démerdes comme un bonhomme. Et non, il a besoin des fans. Mais ce qu'il y en a, ils n'ont pas de pognon, c'est des gamins. Ça va où? Tout ça. Discothèque. Restaurant de luxe. On achète des Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Lacoste. On va chez le coiffeur pour 100 balles. On s'achète pour 1000 balles de parfum. Avec les côtelettes des fans. Non, 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 ça se passe pas comme ça. T'es youtubeur, tu démerdes. Tu démerdes, Coco. C'est pas en pensant à tes fans que tu vas réussir. Non, non, non. Ah oui, encore une chose. Ah ouais, ça c'est désimportant pour moi. Ah ouais, la piqûre, hein, la picouse. Ah, la picouse, ça vaut le pognon, hein. La picouse, ça vaut le pognon. T'arrives, biceps, c'est bien beau les biceps, t'as des gros biceps ou t'as des gros pecs. C'est bien beau. Mais il y a des conséquences plus tard, monsieur Kurnaz. T'es pas naturel. Arrête de vendre du rêve, arrête de leur chanter la Marseillaise. Sois toi-même, sois cash, c'est ce qu'ils veulent les gens. Un mec cash. C'est pas en manigançant les fans. Et surtout, tu as des jeunes entre 7, 10 ans, 15 ans. Ils regardent tes vidéos, ils disent quoi? Waouh, monsieur Kurnaz, il est balèze. Il va dire, ah, maman, maman, regarde comme il est, monsieur Kurnaz, il est bien bâti, hein? J'aimerais bien être comme lui. Arrêtez. Oh, la piqûre, je sais que c'est devenu à la mode. C'est pourquoi, c'est pour se la frimer devant les nanas. Ouais, j'ai des gros pecs, j'ai des gros avant-bras. Ouais. Des gros pecs, voilà, je vais me taper une brune, une blonde. Attends. Oh, ça va un moment tout ça. Moi, je parle de moi, je suis naturel. Je prends quelques compléments alimentaires, ça me va. Dites la vérité, de toute façon, la plupart des youtubeurs, c'est des fruités, des vendeurs de rêves. Là, il y a le salon de fitness qui approche, là. Ils font tous de la sèche. Parce qu'ils savent, l'astéroïde, savent l'astéroïde, ça fait quand même grossir les muscles. Regarde, tu prends mon muscle. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas tant de graisse, regarde. C'est rien. Je suis 100% naturel. 100%. Si vous êtes d'accord avec Batman, il n'y a pas de souci, un com. C'est de nos jours, la muscu, c'est plus de la muscu. C'est des fruités de la muscu.
C'est un sport qui est en train de partir en couille. Ça traite de partir en couille la muscu. Les fruités, les vendeurs de rêves qui font des programmes de merde. De toute façon, un vrai youtubeur, il dira jamais la vérité ce que tu prends. Il dira jamais. Et pour la prise de masse, il vous dirait toujours prenez de la whey. Pour sécher, prenez brûleur de graisse. Non. Dites la vérité, ce que vous prenez. Voilà. Moi, dans mes vidéos, je suis honnête, cash. J'ai rien à cacher. Je suis quelqu'un de franc. Non, non. Vous êtes d'accord avec moi, cher ami? C'est plus de la muscu. C'est carrément du trafic. C'est du trafic. Tu vois un programme. Les stéroïdes, la globétérol. Ça, c'est du trafic, tout ça. C'est plus de la muscu. C'est plus un moment détente après un boulot, après un exemple, vous allez faire les courses ou vous êtes en couple ou ça va pas, vous avez besoin de vous détendre. C'est plus ça maintenant. Maintenant, tu vas dans toutes les salles de sport. Tu parles de quoi? La stéroïde, le pétrole. Ouais. Tu parles de l'outil critique, tel, 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 tel. Arrêtez de regarder les vidéos des ricains, des. Je sais qu'en ce moment, c'est la mode, vous voulez faire comme Ziz. Ziz, il est où maintenant? Il est pourri dans sa tombe. Arrêtez. Maintenant, la nouvelle mode, ils suivent tous Jeff Side. Ils le savent très très bien, Jeff Side, c'est un monstre. Oh, Lazar Angelov, Ulysse. Ces trucs comme ça, c'est des piquets, ceux-là. C'est des piquets de la vie. Pourquoi? Pourquoi? C'est malheureux. C'est malheureux d'être là. C'est même plus des salles de muscu maintenant. C'est des salles de bobards, de la chiménée, de la manigance, de tout. Qui tu vois pas la muscu qui te parle de la piqûre de nos jours? Tout le monde en parle de la piqûre carrément. Il y a un gamin qui est venu vers moi dans la salle de sport. J'étais en train de faire ma séance de jambes. Il m'a dit, ouais, Batman Fitness. Oui. Ouais, dis-moi voir. Petit jeune homme. Oui, Batman Fitness. Ouais, j'ai vu des youtubeurs sont musclés. Hein, j'ai dit, mon petit. Je vais pas te dire ce qu'ils prennent. Arrête. Il me dit, ouais, c'est des monstres, j'aimerais bien devenir comme eux. Ah, j'ai dit, mon petit, t'es trop jeune. Mange la purée de ta maman. Mange la viande qu'elle fait ta maman. Va te prendre un sandwich. Moi, ce que je lui dis, mange. Blanc de poulet, légumes, viande blanche, viande rouge, ça ira mieux pour toi. Mange du fromage blanc, mange du flocon d'avoine, des fruits, oui, mon ami. C'est ce qu'il m'a dit, jeune homme. Il m'a dit, c'est bien. Il m'a dit, ouais. Il m'a parlé, je me suis mis torse nu devant le miroir, devant mes potes. Il m'a dit, ah ouais, putain, c'est joli, c'est vraiment du naturel. Je lui ai dit, touche mon bras, touche le dos. Il m'a dit, c'est du naturel. Je lui ai dit, où tu vas trouver que je suis piqué? Non. Puis le ptcho, il m'a dit, ouais, t'as raison. Si tu veux écouter, va visiter la chaîne de Batman Fitness. Je te raconte pas de salade. Je déteste les gens qui mentent comme ils respirent. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ils sont pas cohérents. Ils sont pas cohérents.
Ce qu'ils veulent, c'est que l'argent. Ils vivent que pour l'argent. Ils veulent détruire la jeunesse. Comme tu prends Enzo Foucault, tu prends Nathan Bonzongo, tu prends Kurnaz, tu prends Thibaut Inchep, tu prends genre comme Nassim. Tout le bordel là, c'est tout dépiqué de la vie, ça. C'est tout dépiqué. Même Body Time, PJ vont aller aux États-Unis prendre de l'astéroïde, de malade. Ils vont aller voir un ricain là-bas. Ils vont aller se piquer la gueule. Mais arrêtez avec ces merdes-là. Oh les gars, arrêtez, arrêtez. Parce que vous allez crever un jour. Vous allez crever, c'est devenu à la mode. J'espère que ces gens-là, les putains de fournisseurs qui vont en prison. Donc, tu peux pas céder ça. Tu donnes de la mort, tu donnes comme les produits de cafard, les produits pour les rats, ou les produits pour désinfecter les poubelles ou les vitres ou je ne sais pas quoi. C'est pareil, ça revient au même. Au même, c'est pareil, pareil. C'est pêle, pêle, kiff, kiff. Oui, faut arrêter. Gardez votre santé, arrêtez de regarder ces putains de gens. Après, vous allez péter des plombs. Vous allez être dans l'Ouest. Vous allez dire, tôt ou tard, ça se paye. C'est pas maintenant, ça peut être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout de 10 ans. Voilà. Elle est fruitée. Laisse tomber. Fruité de la vie, après vous allez voir des couilles de raisin sec. Et par contre, vous allez devenir chauve, ça va vous manquer les dents, vous allez être nerveux, vous allez puer de la gueule, vous allez avoir des chicots. Putain, pas possible. Moi j'ai meilleur temps de fumer ma Marlboro que aller me fruiter. Non, je suis sincère avec vous, je suis honnête, je dis ce que je pense, je suis quelqu'un qui est réel, face à face. Moi, si vous voulez, les gars, on peut faire un clash face à face, en direct. Cache-cache, que ça plaise, que ça plaise pas. Moi, ça m'est égal de tout ça. De toute façon, aujourd'hui, YouTube. C'est que des fruités. C'est que des vendeurs de rêves. Ce que je pense, tu sais quoi? La santé, la patate, je dors bien, je mange bien, je fais mes entraînements, je vais aller chier un coup, je vais aller me faire plaisir. Voilà. C'est comme ce putain de salon de Bouddhi Zabbi, ouais. 2018. C'est que des mecs. Piqués, piqués, qui veulent attirer les meufs en porte-jardel, en string, pour un pot de gainer, pour deux, trois trucs, pour un checker. Pour un checker, ça vaut 2,50€, 3€ le checker. Pas possible tout ça. C'est un salon. Moi, je suis Batman Fitness. Moi, je vais pas au salon de fitness. Je suis bien où je suis, où je vais être quand je veux. Je vais pas aller dans le salon pour aller choper des abonnés, pour aller regarder mes vues. Je suis bien dans mon petit canapé et dans ma région. Ouais, pour montrer ton torse devant tout le monde. Voilà, ouais. Moi, après, en plus, ça clash grave. Ça clash grave et ça s'insulte grave. Est-ce que c'est un modèle salon de fitness 2018 sur Paris pour la génération future qui veulent y aller en salle de musculation? Non, non, vous donnez des mauvais exemples. Voilà, sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai vu Thibaut Inchep, j'ai vu Nassim, j'ai vu Enzo Foucault, Bouddhi Zabbi.
Vous avez Kurnaz, waouh, Kurnaz c'est un monstre. C'est que des vidéos, les potos. C'est que des vidéos. C'est rien d'autre, c'est que des vidéos. C'est que du vidéo. Ah oui, mets-toi torse nu. T'as de la chahma. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Astaghfirullah, comme on dit chez les musulmans. Astaghfirullah, ya Rabbi. Hein. J'espère que Dieu il les guide, ces gens-là. Voilà, ces gens-là. Ils ont rien compris à la vie. Ils ont rien pigé à la vie. Il faut être soi-même, il faut être réaliste, il faut être concret, il faut être soi-même. Il faut pas changer pour tel un tel. Il faut être soi-même. C'est tout. Il n'y a rien, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous allez gagner dans l'affaire? Vous allez gagner quoi dans l'affaire? Rien. Oui, je vais rien gagner. Oui, il y en a qui me disent sur les coms, je suis un maigrichon. Alhamdoulilah, je suis un maigrichon. Je préfère prendre du naturel, quelques compléments alimentaires. C'est tout. Je ne fais pas, c'est pas parce que tel un tel. Non. Je vais vous le dire. Voilà. Vous allez payer un jour ou l'autre. Vous allez payer. Ouais, vous allez payer. Voilà, c'est carrément être endoctriné dans ce trou-là. C'est comme un drogué. C'est comme un alcoolique. Ils peuvent pas s'en passer. Non. Ils peuvent pas s'en passer. C'est que vous allez rester coincé dedans. Vous n'allez plus vous en sortir. Comment veux-tu t'en sortir? Walou. Walou, walou, walou. Et wallah l'adim. Je vais vous dire. Restez soi-même, restez correct. N'écoutez pas les fruités, n'écoutez pas les mensonges des gros youtubeurs de merde. Voilà. Tu prends Maître Cal, Marvin Fitness, eux. Moi, je regarde quelques vidéos. Voilà, Maître Cal. Voilà, ça tec, hein. Les vidéos que j'ai vues il y a 2 jours. Sartek, t'es honnête. T'es honnête. Les gens, ils n'aiment pas l'honnêteté. Ils aiment bien les mensonges de merde. Les mensonges de merde. À quoi ça sert? Tu vas gagner quoi avec en mentir aux gens. Dis-moi, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 1 euro? Il y a 0 euro. Tu vas gagner quoi? De perdre tes abonnés, de perdre tes vues, de tout perdre. Non, restez soi-même. Il faut une paire de couilles. Il faut être comme ça. Ok, sur ce, je vais vous laisser avec mon petit café à la fin. Je vous souhaite une agréable fin de journée et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner tranquillement. Je ne force personne. Si vous aimez bien ma tronche, ma mentalité, ma personnalité. N'hésitez pas. Voilà. Je ne force personne. Thank you. À la prochaine. Inch'Allah. Ok, frérot. À bientôt, les sœurs, mesdemoiselles. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Plus de conseils. Je suis 100%. Je suis 100% avec vous. 50 pour moi et 50 pour vous. Voilà. Au moins, il n'y a pas de jalousie au milieu. Tranquille. Ok?
Sur ce, si vous aimez bien cette vidéo, pensez à liker. Et sur ce, salam, à bientôt. Allez, bye bye. Allez, salam alaikum.